Sa mère a été résistante et a participé à l'insurrection de Varsovie et elle a été également décorée de la médaille du juste pour avoir aidé les Juifs pendant la guerre. Le premier long métrage d'Agnieszka Holland qui commence donc à travailler en Pologne s'appelle Les acteurs provinciaux, c'est en 1979. Et depuis, si j'ai bien compté, il y a environ 50 films, pratiquement tous des longs métrages. Enfin, bon, il y a des séries, il y a des, pour la télévision, mais il y a énormément de films. En fait, tu fais pratiquement un film par an. Tu travailles beaucoup et c'est pour cela que je te remercie infiniment d'avoir trouvé du temps pour être avec nous ce soir. Et c'est une réplique de bonheur. Vas-y, je vais t'en prie. Non, c'est bon. Enfin, je vais peut-être après pour donner la parole. Oui. Il faut bien que ce soit toi qui parle. Non, mais je vais faire un discours, peut-être quelques mots sur les origines de ce film. C'est basé sur une histoire vraie et qui était trouvée par le scénariste canadien dans un journal. Après, il a fait des recherches parce qu'il était fasciné par cette histoire, par le personnage de Soha surtout. Et il a trouvé qu'il y avait un livre écrit dans les années 80 par un journaliste britannique. Il y avait aussi un film documentaire où il y avait encore des survivants qui ont allé avec lui à Lvov. On racontait dans les canalisations, on dit. C'est terrible. Bon, il a acheté le droit de ce livre et il a écrit le scénario. Et après, il a pensé que la meilleure personne pour le faire, ce sera moi, à cause des films que j'ai fait avant, et Europa surtout, Mère École. Et il m'a contacté, il m'a envoyé le script. J'ai trouvé le script vraiment intéressant, même si je me suis juré que jamais plus je ne ferais pas le film sur cette époque, parce que je savais déjà après faire deux qu'on sort pas indemne de cette expérience. Mais il était très, très persistant, ça veut dire. D'abord, je lui ai dit que je ne vais pas faire ce film en anglais. Et c'était ça le projet des producteurs, bien sûr, parce que comme ça on peut trouver le sous pour produire un film de ce genre. Et c'était ma condition sine qua non, et j'étais presque sûre que ça ne serait jamais rempli, et comme ça je suis. Mais ça durait 2 ans ou 3 ans, je ne me souviens plus. En tout cas, il m'a envoyé ce script en le retravaillant au moins 5 fois. À la 6e fois, je me suis dit que quand même, ça doit être un destin ou quelque chose comme ça, parce que j'ai commencé de rêver cette histoire. C'est-à-dire à entrer dans mes rêves, et après, c'était difficile de s'en débarrasser. Et finalement, le producteur, on dit, OK, on le fera en polonais. C'était difficile, c'était vraiment difficile de financer le film. C'était surtout les Allemands, la moitié de l'argent est venu d'Allemagne. Le Canada, quand c'était pas en anglais, ils ont pas donné le sou vraiment. Les Polonais, heureusement, on peut maintenant financer le film en Pologne au niveau assez bas, mais quand même possible. Et comme ça, c'est une triple coproduction. Et j'avais, de point de vue artistique, j'avais toute ma liberté, sauf que c'était très difficile. Le film était très difficile de tous les points, de la réalisation, mais aussi psychologiquement. On a tourné dans le vrai canon aussi, mais on a recréé la majorité des scènes qui sont tournées dans le sous-terre, étaient réalisées sur le plateau, à environ 20% c'était dans le canon. J'ai fait bien sûr, je connaissais déjà beaucoup de choses sur cette période, pas tellement sur l'Europe. Je connaissais surtout Lodz et Varsovie et Cracovie, les ghettos et les circonstances de l'Holocauste dans cette ville-là. En gros, c'est un peu différent. Et le fait que c'était différent, ça m'a frappé quand j'ai commencé
quand j'ai commencé de décider quelle langue utiliser pour le film, parce que c'était écrit en anglais, après on l'a traduit dans le polonais littéraire, et après j'ai compris que si je veux être vraiment juste, authentique et réaliste, c'est que je dis tout le temps que je pense que c'est nécessaire pour la vérité de ce genre d'histoire, il ne faut pas que j'utilise au moins 5 langues. Parce que les habitants de Lvov, on parlait, c'est une ville multiculturelle, ils ont parlé polonais littéraire, ils ont parlé yiddish, ils ont parlé ukrainien, ils ont parlé polonais spécial qui s'appelle Bawak, et qui est une espèce de slang, quelque chose comme cockney. Qui a disparu pratiquement, qui n'existe plus. C'est-à-dire que c'est très difficile de trouver un coach pour ça. Mais les acteurs ont appris toutes ces langues. Voilà. Il y a un peu de russe. Et pendant la préparation, on a ouvert quelque chose comme une école des langues. Parce qu'il y avait aussi des acteurs allemands. Que je demandais d'apprendre polonais parce que les juifs, trois juifs, et ici ce sont des acteurs allemands. Et les acteurs polonais sont appris yiddish et bawak. Je pense que ça les aidait finalement. C'est une espèce de méthode qui a fait qu'ils sont vraiment entrés dans cette réalité, dans la façon plus profonde. Je le conseille à chaque metteur en scène, c'est important de commencer par que les acteurs apprennent les langues. Le film avait une première hier en maison, en Pologne d'abord. À ma surprise, c'était un très grand succès, commercial aussi, c'est-à-dire au niveau de public, c'est que je n'ai jamais pensé que ça peut arriver à quel point. Je pense que ça a vraiment profondément touché les gens. Ils ont joué ça dans le multiplex, c'est-à-dire il y avait le public vraiment jeune aussi qui est venu le voir. Il y avait 1 200 000 spectateurs, ce qui est énorme pour la Pologne en tout court, mais pour les films comme ça, c'est presque jamais vu. Je pense que pour l'Aïssi, il y avait quelque chose sans voir qui est ici. Après, le film était montré un tout petit peu partout. Dans certains pays, il y avait un peu plus de succès, dans les autres moins. Il a été nommé aux Oscars aussi. Et voilà, il a beaucoup voyagé. Il y a encore des pays où il va être présenté, là, en Belgique, dans un mois, par exemple. En Italie, c'était il y a un mois. C'est-à-dire, il y a encore une vie. Ça me rassure hein, parce que je sais que c'est pas facile aujourd'hui, spécialement. Le sujet est traité tellement de fois qu'il y a une espèce de lassitude, saturation peut-être. Hein. Et en même temps, il y avait tellement de films que selon moi sont, je ne sais pas, faux ou kitsch, ou en tout cas pas très bien. Que les gens ont perdu cette espèce de possibilité de communiquer émotionnellement de façon authentique avec le sujet, mais c'est une des raisons pourquoi j'ai décidé finalement de le faire, que peut-être je me suis dit que peut-être on pèsera certains barrages qu'on va devoir